Philippe Omemsi sur http://rapcfranc.fr. http://rapcfranc.fr. Vrai site de rap français pour vous. 80% nous sauve des fils de. Ça moi pas la main ici, sache qu'on te et qu'on parle de t'allumer de plus. Salam, comment vas-tu les bambins? Ouais, ça va, on est là, hein, franchement. Tranquille. Ouais. Donc, les habitudes à Rapcé Franc ont pu déjà t'apercevoir sur le site. Mais tu peux te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas. Ok, moi c'est Libon MC, artiste du 94, très léger. Je rappe depuis 2005. Donc voilà, là, le projet il arrive. Le projet c'est Crème de Body Volume 1, 18 titres. Donc voilà, Crème de Body Volume 1. Le projet j'ai mis exactement. En fait, j'avais déjà commencé avant, je l'ai arrêté. Et je l'ai repris sérieusement, on va dire septembre. Je l'ai fini là en mars, 6 mois. Voilà, 6 mois étant formé au studio, on a pensé. On a fait une trentaine, quarantaine de sons. Il y en a 18 titres dans le projet. Donc voilà, on a pensé. Les thèmes, franchement, j'attends tout notre tour de les thèmes. Tout ce qui se rapporte à la vie tous les jours, hein, dans la rue. Ouais. Je peux passer d'un morceau, je suis un peu fou comme bon enculé, je parle de tout, à un morceau comme Rêve et Cauchemar. Je parle de. Je me remets en question, ce truc. Genre, ce qui va, ce qui va pas. Je peux passer un titre comme J'ai mal que j'ai fait avec la chanteuse Abel Mila. Je m'exprime un peu plus sur toi, des faits marquants. Toi. Et je peux passer à des morceaux comme En l'air, toi, qui sont projet. Et là, vas-y, je m'en bats les couilles, toi, c'est, je rappe et ceux qui sont pas contents, ils leur emmerdent. Je m'en bats les couilles. Je fais tout. Tout ce que tu vois dehors, je le fais. Voilà. Une voiture de police qui passe, moi je t'en parle dans la musique. Une bonne meuf, moi je t'en parle dans la musique. Je suis pas là pour comment ça s'appelle, faire la morale aux gens, tout ça, non, mais je m'en bats les couilles. Je leur daron pour ça, tu vois. Après, c'est de prendre leur chemin. Moi, je suis là, je fais de la musique, je dois se divertir. Tout en disant des bons messages, tu vois, si on peut, tu vois. Normal. Mais des fois, après, il y a des messages à mal, les gens peut-être mal les prendre, ils vont dire que vas-y, je parle. J'engraine les gens, non, j'engraine pas. T'as pas besoin de moi pour. Ils ont pas besoin de moi pour partir en couille, tu vois. C'est dehors, c'est comme ça. Vas-y. Non, franchement, les thèmes abordés, c'est tout ce qui est street. Tu vois. La vie de tous les jours. Mon style d'instru, franchement propre, c'est sombre, tu vois. Des gros boots lourds, tu vois, qui tapent bien, tu vois. Si on peut mettre une tête dessus, bah, un peu les instruire à la thérapie, tu vois. Sombre, tu vois, qui bouge bien, des grosses basses, tu vois. Et voilà, un bon délire gangs, tu vois. Énervé. Franchement, comment je les ai choisis? J'ai écouté un petit peu ce qu'il faisait. J'ai vu que moi c'était plus de mon délire, tu vois, sombre, tu trappes un peu, tu vois. Rap musique, là, moi je fais la rap musique. Ouais. Sombre, j'ai vu, c'était dans le même monde, tu vois. Ouais. Vas-y, après, bah, je les ai appelés, puis ils ont accepté. Alors, il y a une instru dans la de ma cité, Nunes. C'est un petit ma cité, super fort. On m'a fait une prod dessus. On a trouvé Drega 33. Un beatmaker super lourd. Là, il a un très fort. Je travaille aussi avec des Belges. Bah, ceux que Connor Record. Ceux qui m'ont fait les prods de mes deux premiers morceaux là qui sont sortis. Sangier et Bande d'enculés. Et voilà quoi. D'accord. Ouais, si, il y a des futurs. Ouais. Pour trouver Mace, un artiste de Jean-Ville-le-Pont, 94 comme moi. Pour trouver Cozy, Cozy, Bomaye, tu connais Cozy. Zesso, Bad Game. Pour trouver Sazamizi. Pour trouver l'artiste de Grigny, toi qui est très bon, toi de ma génération, Mazda. Mazda, voilà, Résurrection. Pour trouver une chanteuse, Belinda. Pour trouver j'ai placé un morceau dans le projet, c'est un solo d'un pote à moi, tu vois, de l'équipe, Blackstone. Voilà, ça s'est fait naturellement. En fait, moi, je suis parti vers eux, je leur ai proposé mon projet, enfin, je leur ai expliqué ce que je préparais, j'ai écouté un petit peu ce que je faisais, je vous avais été dans mon esprit, dans mon ambiance, tu vois. Tandis que tu rappes de la rue, tu vois, ouais. Là, c'est street.
là ils se sont reconnus. Ils se sont reconnus en moi, donc moi je suis reconnu. Naturellement ça s'est fait. Trois clips de prévu, dont un qui va arriver d'ici peu là, très bientôt là. Très très loin, gros morceau. On va frapper fort, tu vois, ouais, trois clips. En plus après c'est des street clips, tu vois, normal. Mais tu vois quand même, tu vois. Franchement, 2-3 semaines. Ouais. Au début, dans 2-3 semaines, c'est là, ouais, c'est là. Dans 2-3 semaines. Et le titre ? Le titre ? Dexter. Dexter. C'est il faut comprendre le délire un peu. Ouais. C'est ça, une grosse prod de Connor, tu vois, les Belges. Voilà, tu vois. On essaie de travailler avec le maximum de monde possible, tu vois, pour que rester sur Paname, tu vois. Il y a du talent ailleurs, de plaisir. C'est clair. On bosse tous ensemble, tu vois. Et qui a réalisé le clip ? Le clip ? Ouais. Ça, il faut découvrir aussi en même temps que le clip. Moi aussi. C'est la surprise. Voilà. Sur internet. Pour ceux qui veulent me contacter, ouais. Facebook, Bigouman Musique officiel, Twitter, Bigouman Musique 94. Rajoutez. C'est mode de la fin. Femme de Bandit, volume 1, 18 titres. Vous allez faire du clip en mode pédale. J'entends vos sons là. Bref, tranquille. Moi, vos sons là. Femme de Bandit, volume 1. Et si je dis bien volume 1 parce qu'il y a un volume 2. Là, je vous dis, agréable. Et un mot de la fin, voilà, c'est une grosse dédicace pour tous les mecs de Boissy. Voilà, 9-4, on est là, UKZ, voilà toute mon équipe, NZ, voilà, mot de la fin. Voilà, on est là quoi, RDC, ça, la dédicace. Pour ceux qui veulent savoir, je suis Zaïroi, voilà, à rien. Les beaux marlots, NZ 94.